Aujourd'hui, on va travailler les lombaires, troisième exercice. Je l'appelle l'exercice de la chaussure parce que je prends une chaussure, un petit poids très léger, mais pas une bouteille d'eau parce que l'eau bascule d'un côté et de l'autre, c'est moins pratique, mais une chaussure, quelque chose de léger, c'est très bien. Donc, j'ai ma chaussure dans la main droite, je bascule au niveau du fessier dans la main gauche et je la récupère en haut à chaque fois. Pour cet exercice, je travaille donc mes lombaires, les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale pour renforcer le dos. Mes pieds pour l'instant sont lâches. Je fais donc jusqu'à 10. Puis, je lève les pieds. Je fais la même chose avec les bras et les pieds en même temps. Pointe de pied tendue, jambes tendues. Je peux les avoir serrées comme je peux les avoir un petit peu écartées. Si vous trouvez plus d'équilibre, les jambes un peu écartées. Marine, s'il te plaît, voilà, c'est possible, d'accord? Je souffle, je pose. Donc, je suis allée jusqu'à 20. 10 juste avec les bras et 10 autres avec les pieds. Et puis après, je fais la même chose, je repose les pieds. Cette fois-ci, mes pieds vont être flex, pour l'instant posés, et ma chaussure, je la mets dans la main gauche. Changer de sens, voilà. Et je fais les cercles dans l'autre sens. 10 grands cercles, je me grandis au maximum à chaque fois. 10 grands cercles, juste avec les bras. Et après, je soulève les pieds, pieds flex. Je peux avoir les jambes écartées ou les jambes serrées comme je veux. Et je fais 10 grands cercles et 10 montes avec mes pieds levés. Ça fait donc deux séries. Une, juste les bras, puis avec les pieds, pointe de pied tendue. Et la deuxième, juste les bras et la fin avec les pointes flex. De 20 répétitions pour chaque série. Merci.